Ah, parce que c'est un jeu. Ah, c'est une télé-réalité. On doit pas se déguiser. Non. À un moment donné, tu dois te mettre à ma place. En chaise. En chaise et aveugle et tout. Hein. Oh, ouais. Merde. Tu prends tout le costume. Ça va, hein. Bonjour Martine, bonjour Gaïené. Est-ce que vous pourriez chacune nous présenter la personne qui est à côté de vous? Oui, bien sûr, je pourrais la présenter. Ah bon? Mais oui. Ah bah vas-y. Tu t'appelles Gaïené. C'est pas facile à retenir parce que bon, c'est pas évident non plus. À la base, on s'est rencontrés grâce à AVJ. En tant qu'AVJ, mais je suis pas vraiment son aide journalière quoi. Je l'ai vu une première fois et ça a directement accroché. Et on a commencé à délirer, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment les mêmes délires et tout. Et donc du coup, on a pas cessé d'avoir des fous rires. On délire ensemble. Elle m'a proposé, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire ça? J'ai fait, oh mais grave. Parfois, quand tu rencontres certaines personnes, tu te dis, voilà, il y a un truc, faut essayer de creuser ou quoi. Et c'est ce que je me suis dit, quoi. J'ai envie de creuser avec elle. C'est une femme qui a une force incroyable, en fait. Et c'est quelque chose que j'admire énormément et que voilà, quoi. On nous a dit que tu étais hyper active. Est-ce que cette rumeur est fondée? J'ai toujours été. Avant, j'étais plus active encore, plus à bouger, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais jamais pensé le faire en étant aveugle, quoi. Quand on m'a dit, tiens, il y a de la dentelle, tu peux faire de la dentelle en étant aveugle. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, va voir ailleurs, quoi, j'aurais dit. Une question pour Gaïané. Dans quelle activité la plus folle, Martine, t'a-t-elle déjà entraînée? Pour moi, la plus folle, je pense que c'était quand même le tir à l'arc, parce que c'était la première activité où on avait quand même des armes en main et qu'elle ne voyait que dalle et qu'elle me disait souvent « Va devant la cible une fois pour voir comment ça se passe !» Et que je lui disais non et que je ne savais même pas. En fait, je ne savais même pas que c'était possible de le faire en étant aveugle ou malvoyant. Et moi, je dirais que c'est ça. Ou alors, quand je dois la pousser, parce que madame ne sait pas... madame. Alors du coup, je me retrouve à pousser pendant 10 minutes sur une pente qui fait au moins 50 degrés. Je suis pas bien, quoi. Hein, madame? Mais c'est comme ça que tu te muscles. Ouais. C'est bon pour ce que tu as. Martine, quelle activité hors du commun que tu n'as jamais faite aimerais-tu faire avant tes 70 ans? Il y avait déjà les 20 km de Bruxelles, ça, que je voulais faire avant mes 60 ans. Bon, là, c'est trop tard. Un décollage en hélicoptère. Oh. Même si qu'elle me propose un saut en parachute, on y va, hein, pas de souci. Hein. Saut en parachute? Avec la chaise. Hein. Comme ça, la chaise descend avant toi. Si Martine était un animal ou un film ou encore une boisson, ce serait quoi, à ton avis? Une chienne. Une chienne? Ouais. Une chienne? Ouais. Ah, franchement, ouais. Ça te correspond bien. Elle court dans tous les sens. Enfin, bon, elle court pas vraiment, mais elle gigote dans tous les sens. Un cocker. Ou alors une tortue. Elle collectionne les tortues. Et elle a une collection oufissime. Parce que je la verrais bien en tortue. Avec ta petite tête comme ça. Franklin. Qui sort. Est-ce que s'il n'y avait pas eu à un moment donné la perte de ta vue, est-ce que vous auriez pu vous rencontrer et créer des liens? Moi, je pense qu'on se serait quand même rencontrés. Oui, je sais pas. Oui, c'est possible, mais à mon avis, je pense que si on doit se rencontrer, c'est le destin, quoi, je pense. Je pense que c'est pas le problème de la vue qui fait que on aurait pu se rencontrer autrement, quoi. Ouais. Moi, je pense que parfois, pour certaines personnes, c'est sûr et certain qu'on les rencontre, quoi. Mmh. Comment tu nous imagines, Nicolas et moi, physiquement? Plus comme George Clooney, Brad Pitt ou DiCaprio? Bah disons que comme j'ai l'avantage d'être aveugle... Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Donc, comme ça, au moins, tu peux toucher. Bon, donc maintenant, oui, ça c'est vrai aussi, c'est voilà. Un avantage. À partir de ce moment-là, donc j'imagine les gens un peu comme j'ai envie. Mais DiCaprio, ça dépend, c'est vers la fin ou pas? Au moment du Titanic. Là c'est déjà mieux. Ouais, Johnny Depp est pas mal non plus. Hein. Pas mal. Mmh. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit air pour ouais. Les deux. Ouais, ouais. Donc, on dira pas lequel, évidemment. Bon, du coup, la dernière question. Demain, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui. Et on a un petit cadeau pour toi. Non. Hop,
je te mets un donut devant toi avec des bougies. Tu tends la main. Qu'est-ce qu'on pourrait tous souhaiter pour cette nouvelle année? Encore plus de délire. Oh, ça c'est sûr. Et que ça continue et que ça reste le plus sincère possible. Oh. Ah, elle a pas de souffle. Non, tu souffles pas, la Martine. Oh. Ouais, encore. Vas-y. Il reste deux, Martine. Allez, Martine. On part pas tant que t'as pas fini. Allez. Oh. Ah putain, je suis crevée maintenant. Je vais mettre ça sur, il faudra mettre ça sur mon iPhone. En quoi? On pourra pas la bouche pleine. Pas pour qu'on mange des donuts, hein. Ça fait toujours? Non. Ah, ça va alors.